de mettre les femmes sénégalaises au centre de la reconstruction et sociale du pays, donc une reconstruction économique avant tout et sociale, en leur permettant de trouver, voire de retrouver, la liberté d'entreprendre. C'est porté par cette ambition qui est la nôtre depuis la création du fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, donc créé en 2014, que nous nous engageons aux côtés d'ONU Femmes afin de renforcer l'autonomisation économique des femmes du Sénégal grâce au tremplin vers l'emploi qu'est la formation professionnelle et technique. Ainsi, le 3FPT travaillera en étroite collaboration avec ONU Femmes sur le financement des actions de formation portées par les organisations de femmes et identifiées par ONU Femmes pour un effectif de 10 000 femmes, dont 5 000 déjà accompagnées par le 3FPT, la prise en charge des demandes comprenant à la fois un volet technique et financier, la mise en place d'un mécanisme de suivi et de la réalisation des projets financiers et d'évaluation des investissements réalisés. Tambacounda, Kolda, Sédou, Ziguinchor, Kédougou et Louga. Madame la directrice générale d'ONU Femmes, chère Oulimata, je suis fière de dire aujourd'hui que cette collaboration s'inscrit dans la droite lignée des engagements dans la feuille de route du 3FPT. Notre rôle, notre mission est d'accompagner les femmes, les jeunes, les entreprises, les organisations professionnelles, les établissements et centres de formation professionnelle afin de favoriser l'insertion professionnelle et l'auto-emploi. Et in fine, c'est de soutenir l'économie de notre pays et assurer son développement. Le 3FPT est à cœur de s'entourer et de collaborer avec des acteurs ancrés sur le terrain, au plus près des bénéficiaires, dont l'expertise et l'expérience assurent la mise en place de formations répondant à un besoin réel du marché. Au nom du 3FPT, je redis ici toute la confiance et l'entière détermination des équipes au siège et en région dans la conduite de ce projet au service des femmes sénégalaises entrepreneurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Jeunes, et je pense que nous sommes tous d'accord que le capital humain est au centre du plan Sénégal émergent, au centre du PAP2A, puisque aujourd'hui on parle de mieux reconstruire, donc en anglais on appelle ça le Build Back Better, et ce Build Back Better ne peut pas se faire sans les femmes. J'aime toujours aussi rappeler que les taux de croissance dont le Sénégal rêve à deux chiffres. Ces taux de croissance sont dans le capital humain féminin, qu'il faut libérer le potentiel de la femme sénégalaise, puisqu'on aime bien dire à ONU Femmes que l'émergence est une femme. Et j'en suis convaincue, à travers ce partenariat, en tout cas, nous travaillerons ensemble sur le capital humain. Investir dans l'autonomisation économique des femmes ouvre une voie directe vers l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Nous sommes tous d'accord qu'au Sénégal, que ce soit dans les entreprises, dans les exploitations agricoles, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, et surtout en effectuant des travaux de soins non rémunérés. Vous êtes tous d'accord avec nous que tout le travail que les femmes font à la maison, s'il fallait employer quelqu'un pour le faire, il faut payer cette personne. Et les femmes le font gratuitement et c'est comptabilisé nulle part dans l'économie de nos pays. Et je pense que les femmes sont au cœur de notre développement. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons de ce partenariat naissant entre nos deux institutions qui permettra à ces femmes d'être mieux capacitées en vue non seulement d'entreprendre davantage et de s'autonomiser, mais aussi de participer durablement au développement socio-économique du Sénégal.